Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Thank you.
Arcane, reste avec nous. Comment tu te sens ? Ils reviennent, écoutez-moi. Regarde, le héros. Pourquoi la lumière est éteinte ? Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu les docteurs, ils l'avaient. En avant ! On va où là ? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artium fabrique ? Comment tu veux que je le sache ? Comment tu le vois même ? Il a appelé depuis le cercle, il a dit qu'il arrivait demain. Hé, hey, vous, laissez-le tranquille. J'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro ? Un boulet de temps ! Tiens le coup, Artium. Une dose de sens partiel tout frais arrive. Tu es réveillé ? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois ? Il n'y a personne d'autre, Artium. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là ? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel ! Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté ! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation ? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile ! Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille ? À ta femme ! Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries, maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artium, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artium, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste ? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artium juste à temps. Comme tu dis, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Artium, essaie de faire un peu plus attention, d'accord ? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Alors à quoi ça servirait de les contacter ? Et puis je me souviens qu'on recevait des signaux de l'extérieur assez souvent, juste après les bombardements. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ça ne veut rien dire pour toi ? Enfin, c'est ta vie, après tout. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est leur travail. Travaillons pas, s'ils continuent comme ça. Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions toute seule. Et pour Artium. Et pourquoi pas ? Assez, Artium, 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 Art
Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Juste là, tu... une sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, est-ce que je vois? Excusez-moi, messieurs, faites place! Hé, hey, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. À propos, mais comment les affaires, les gars? Laissez-le respirer. Bon retour parmi nous, Artyom. Salut, Artyom. Ok, c'est bon, j'accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est officiel. J'en étais sûr. Les pots, j'ai apporté quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. C'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation, chérie. Mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Un démon. Il prenait un peu trop ses aises. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. À ton tour. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? Éteins cette lumière. Ils ont dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés.
qu'on les laisse passer. On ne bouge pas. On dirait qu'il n'y en a plus. Heureusement qu'ils ne nous ont pas remarqués. Ils étaient nombreux. C'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... Prenez le pont pour traverser la voie ferrée. Ça nous éviterait un détour. Merde, c'est trop haut! Artyom, aide-moi à monter! Vérifiez avant, connard. Oh, Artyom, tu n'as rien. C'est votre faute, ces gens, là. Ils sont de Hanza, pas de l'ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Ils se passent quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an, et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro! Hé! Mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part! Ça ne gênera pas! Rendez-leur au moins leur masque!
ingénieurs sont passés. Les ouvriers sont fichus. Garde ton arme braquée sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. Je garde ici. Juste bon à se faire tuer. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Envoyer un groupe sceller la sortie et ramasser les restes. Attention, la plaque tournante se met en marche. Jamais ces conneries, ok? Des animaux. Comment ils peuvent... Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur! Un humain? À l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. Route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Essaie de l'atteindre discrètement. Reste dans l'ombre, par pitié. Reste près du mur. Yermak, c'est toi ? Qu'est-ce que tu marmonnes ? Viens là, aide-moi à réparer ce truc. À vos ordres, j'arrive tout de suite. Allez, allez, tu devrais pouvoir réparer ça les doigts dans le nez. Il est arrivé quoi aux ouvriers qu'ils ont envoyés pour réparer? Ce que tu m'en veux, car pas ce qu'il aurait à faire. Une seconde. Attends.
Et il faut qu'on atteigne cette porte. Essaie de faire diversion. Regarde, il y a des ordures. Essaie d'en jeter. Parfait. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Jette la boîte pour attirer l'attention du garde. Come on!